au public, quand on est sur le Tour de France, on entend un bruit de fond. Après, c'est vrai que quand on est dans un col autour, en tête de course, le public, c'est le 12e homme, hein, comme en foot, quoi. C'est l'une des figures les plus populaires du Tour de France. Le 2 juillet prochain, Thomas Voeckler prendra le départ de la Grande Boucle pour la 14e fois de sa carrière. À bientôt 37 ans, cela pourrait être sa dernière édition. Derrière sa combativité et sa détermination se cache une blessure profonde, la disparition en mer de son père. L'Alsacien nous a ouvert les portes de son intimité à Mouilleron-le-Captif en Vendée. Immersion avec Romain Pougeot et Arnaud Loquet. Allez, c'est parti. Pendant de nombreuses années après la disparition de mon père, donc, il est clair que j'ai beaucoup puisé dans cette douleur, cette tristesse pour aller chercher la motivation, et parce que c'est lui qui m'a amené au vélo, c'est lui qui a pris ma première licence dans un club, c'est lui qui m'a acheté mon premier vélo. Bon, il était vraiment derrière moi, quoi. J'ai pendant de nombreuses années pédalé pour lui, vraiment. Jusqu'au jour où, après, c'est vrai que jusqu'à 2004, champion de France, maillot jaune, et j'ai eu l'impression qu'il pouvait être fier de moi, et ben, ça coïncidait un peu juste avant avec le fait d'avoir rencontré mon épouse. Après, ma vie de famille s'est installée, et depuis quelques années, je n'ai plus ça à l'esprit, déjà depuis de nombreuses années, mais au début de ma carrière, c'est vrai que ça a été un moteur. Ouais. Tried to square, not be. C'est l'histoire d'un cycliste, né en Alsace le 22 juin 1979. Thomas Voeckler, parti en Martinique avec son grand frère Alexis à l'âge de 7 ans, pour suivre ses parents, passionnés par la mer. La maman Rachel est médecin anesthésiste, le père Claude, psychiatre et navigateur amateur. C'est d'ailleurs en bateau, par traversée de l'Atlantique, que la famille déménage aux Antilles en 1986. Cette passion des océans va coûter la vie à Claude Voeckler, le papa qui disparaît 6 années plus tard à bord de son voilier au large du sud de la France. Thomas a 12 ans et vient juste de se voir offrir son premier vélo de course par son père. Sa 16e saison professionnelle est peut-être sa dernière. À bientôt 37 ans, Thomas Voeckler n'a pas encore décidé de son avenir. L'ancien vainqueur du maillot à poids du Tour de France 2012 a déjà gagné 2 courses depuis le début de la saison. Le Tour de Provence et le Tour du Yorkshire au début du mois de mai. Depuis quelques jours, il bénéficie d'un peu de repos, chez lui à Mouilleron-le-Captif en Vendée. Thomas Voeckler profite de sa famille qu'il ne voit que par intermittence. Des absences qui font résonner celles de son père lorsque ce dernier partait en mer. On a un métier qui est dur de par les absences. Mais quand on est là, il y a l'entraînement et tout, mais on a du temps pour la famille. Ça va mieux quand ils sont un peu plus grands comme là, mais quand ils sont tout petits, c'est difficile de leur expliquer qu'on part pour le travail. À chaque fois, c'est, hein, tu n'aimes pas trop quand je pars au vélo, en général, toi encore. Mais après, ça va, comme des fois, ils viennent en course et tout. Ils viennent un peu à l'hôtel avec mon épouse. Ça permet de leur faire comprendre ce que je fais vraiment. Comme métier, quoi, parce que même si ça ressemble pas trop à un métier, c'est quand même un métier. Ouais. Allez. Vamos. Ce jeudi 12 mai, c'est Thomas Voeckler qui accompagne ses enfants à l'école. Maë, 7 ans et demi, et Lila, bientôt 5 ans. À toi sur le côté. Voilà. Regarde le tout, là. Fais attention en traversant la route, Maë. Attention à ta roue, voilà. Oui, c'est vrai que c'est tout joli, t'as raison. Thomas Voeckler est revenu en métropole à l'âge de 17 ans. Ses nombreuses victoires dans les courses de jeunes en Martinique lui ont permis d'intégrer la section sport-études de La Roche-sur-Yon. Il y effectue ses classes avant de passer professionnel en 2001 avec l'équipe Bonjour de Jean-René Bernaudeau. Les deux hommes ne se quitteront plus. Voeckler devient champion de France en 2004 pour sa 3e saison chez les professionnels. Le premier grand titre pour l'actuel coureur de Direct Energy qui
qui s'astreint à une séance d'entraînement quotidienne, même en période de repos. It's a wonderful, wonderful life. J'ai ma petite cachette pour... En cas de fringale ou quoi. Toujours avoir un petit... Un petit billet. Bon ouais, c'est plus sympa que les barres de céréales ou quoi. Hop, je le cache dans le guidon. Alors, des fois quand je ramène le vélo au mécano, ils ont des bonnes surprises. Des fois quand ils changent les guidons, quand j'oublie. En 2004, bon, j'avais déjà gagné quelques courses. Mais pas du niveau du championnat de France, pas de la renommée du championnat de France. Et c'est clair que c'est mes plus grosses fiertés, mes deux titres de champion de France. Même avant, plus que le maillot jaune encore. Un maillot jaune qu'il porte la même année sur le Tour de France pendant 10 jours en 2004. Le Tour de France, la compétition qui a révélé et popularisé le puncher Thomas Voeckler. Il y a le Tour de France et les autres courses, quoi. Au niveau public, quand on est sur le Tour de France, on entend un bruit de fond. Après, c'est vrai que quand on est dans un col autour, en tête de course, le public, c'est le deuxième homme, hein, comme en foot, quoi, c'est clair. Quand je suis à fond, comme on dit, souvent le visage qui se déforme un peu ou un peu de des mimiques, pas très agréable à voir, c'est sûr. Qui donne quoi à peu près? Ah bah pour se forcer, c'est pas aussi naturel, mais c'est à peu près. Ça c'est quand c'est soft encore. Des grimaces peu esthétiques qui lui ont souvent été reprochées, tout comme son caractère. Thomas Voeckler est considéré comme une grande gueule dans le peloton. Un baroudeur qui use parfois de sa roublardise pour gagner les courses. Un cycliste qui a toujours exprimé un avis tranché sur la question du dopage. Ouais, j'ai jamais cru aux coureurs ou aux sportifs qui se font prendre, qui disaient « Oh, j'étais pas au courant, voilà. » Bon, c'est... Au bout d'un moment, chacun est grand, il sait aussi, quand il se lève le matin, ses convictions, son éthique, quoi. J'aurais jamais pu être à l'aise si j'avais fait quoi que ce soit qui n'était pas dans les règles, quoi. Parce que, voilà, mon éducation, elle est pas comme ça, mais c'est pas... Je pense que ça vient... C'est une histoire d'éducation et de valeur qu'on a à la base. On a une tendance à être tricheur ou on ne l'a pas. Malgré les nombreuses affaires de dopage, Thomas Voeckler reste toujours aussi passionné par son sport. En ce milieu du mois de mai, c'est toute la famille qui regarde le Tour d'Italie. Thomas Voeckler tente année après année de transmettre le virus du vélo à ses enfants. Elle s'appelait Bonjour. C'est vrai, Bonjour. Ben, elle s'appelait comme ça. C'est vrai, mon équipe. Et après, elle s'est appelée Brioche la boulangère. Mais d'abord, c'était Bonjour. Après, Brioche la boulangère, après. Alors, ça a commencé Bonjour, Brioche la boulangère, Bouygues Télécom, Europe Car et Direct Énergie. Quand j'ai gagné le tour du Yorkshire, que les enfants regardaient en direct à la télé avec mon épouse, Maé, il est allé se cacher pour pleurer, donc c'est vrai que ça... Bon, là, on est fiers, quoi. On dit, punaise, pendant le reste de sa vie, il se rappelle de ce moment d'émotion où il était fier de son papa, bon, on se dit qu'on fait pas ça pour rien, quoi. Après avoir couru sous les couleurs d'Europcar de 2011 à 2015, Thomas Voeckler a décidé de tenter un dernier pari. Cet été, sous les couleurs de Direct Energy, le Vendéen s'apprête à participer, peut-être, à son dernier Tour de France. 24 ans après être monté sur son premier vélo de course offert par son papa en Martinique. Un passage de témoin qu'il a lui aussi tenu à assurer avec son aîné, Maé. Il lui a légué le petit vélo jaune offert à chaque porteur du maillot jaune du Tour de France. Donc c'est pas la même taille. À l'époque, Maé était trop petit pour aller dessus en 2011. Maintenant, il est voilà, t'es presque trop grand maintenant. Il est peut-être un petit peu petit pour toi maintenant, mais celui-là, c'est... Il a... On peut dire qu'il a autant de valeur que le grand, quoi, parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, au moins, il peut m'apprendre des techniques pour comment faire pour lever les deux bras, par exemple.
Bah, comment sprinter aussi et tout ça. Bah oui, je suis content. Je lui apprends à lâcher les mains du guidon, pas à lever les bras, mais j'ai vu qu'il avait converti assez aisément. C'est pas plus mal, ça me fait sourire.